bienvenue dans ce vlog. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer une bonne semaine avec un joli tuto. Alors déjà, je vais vous parler de la laine que je vais utiliser. Je vais utiliser la Allen Cott. C'est celle-ci. Alors, elle est couleur un peu moutarde. Et je voulais vous montrer d'autres coloris qui existent aussi. Ça, c'est plutôt jaune. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez voir, ça a peut-être... mais c'est un jaune poussin. Vous l'avez aussi en blanc, mais je n'ai pas tous les coloris. Vous avez en rose aussi, en vert, je crois. Et moi, je vais utiliser celle-ci, parce qu'elle est toute douce. J'adore. Et on va faire un poncho. Vous savez, les ponchos rectangulaires que l'on... Donc, c'est juste deux rectangles que l'on va ensuite... assembler. Puis après, je vais lui faire des pompons, je pense, en bas. Ouais, je pense que je vais faire des pompons en bas avec un joli point ajouré. Vu que là, en ce moment, il fait très beau et on va arriver dans les beaux jours dans... Bon, pas tout de suite, mais dans pas longtemps. Donc, je pense que j'ai fait pas mal de vêtements d'hiver. Donc là, je vais faire des vêtements un peu mi-saison, comme... poncho, le châle, qu'est-ce que... Voilà, enfin, tous les petits vêtements comme ça, des petits gilets, des choses comme ça. Vous m'avez demandé des layettes pour bébé. Faudrait... Oui, il faut que je m'y remette aux vêtements de bébé, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que vous aimez aussi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va... Le tuto qu'on va préparer cette semaine, qui sortira vendredi, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Ce vlog va sortir dimanche, vous avez aussi l'habitude. Donc pour les ce week-end, samedi, j'étais à Paris avec ma fille, on s'est baladé, on est allé voir les pyramides du Louvre, on est allé vers l'opéra aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait un bon petit resto. Voilà, on est sortis entre filles et c'était bien sympa. Je vous mettrai des petites vidéos. J'ai fait des petites vidéos. Et dimanche, j'ai peint. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est du papier 100% coton. C'est du papier aquarelle, mais 100% coton. Et donc... Le papier coton, c'est un peu plus onéreux, mais par contre, je trouve qu'il y a une vraie différence avec la peinture. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Il y a une qualité de dessin complètement dingue. Et j'ai fait aussi, j'ai essayé un autre papier qui s'appelle, c'est toujours du papier aquarelle, qui s'appelle Anmul. Je crois que c'est un papier allemand. Voilà, j'ai fait celle-ci. Donc c'est des idées pour d'affiches pour la fête des mères, mais d'abord il faut que je fasse des affiches pour Pâques. Et voilà, sinon j'ai des nouvelles, ça y est, j'ai trouvé mon fournisseur de mug. Donc je vais pouvoir avoir, enfin on va avoir un mug que je vais, alors pas tout de suite, d'ici un mois peut-être, j'espère, je croise les doigts, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. C'est un mélange, l'illustration c'est un mélange de tous les commentaires que vous m'avez laissés, toutes les idées que vous m'avez données. C'était pas facile à choisir parce que c'était vraiment voilà, moi je veux le van, moi je veux ci, moi je veux celle-là, moi je veux, voilà. Donc j'ai fait une illustration pour le mug avec, je pense, un petit peu de tout de ce que vous m'avez dit. Il sera en émail, je vous montrerai. Je vais créer une étiquette sticker qui va aller dessus, sur la jolie boîte. Il faut que j'investisse aussi dans un pack, dans une boîte, dans un colis pour les mettre. Il faut que je fasse différentes typologies. Ça veut dire que, par exemple, si vous achetez le mug avec une affiche, par exemple, il faut que je prenne un colis dans ce sens-là. Et si vous prenez que le mug, il faut que j'ai un autre colis que pour le mug, par exemple. Et j'ai envie de créer donc
un sticker qui va aller avec le mug. En fait, je vais faire un événement en fait de cette sortie de mug où il y aura une carte, je pense, remerciement spécial mug avec un sticker, avec une personnalisation sur la boîte. Et puis, voilà, si j'ai d'autres idées ou si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc ça, je suis très contente. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais recevoir les marque-pages. Vous avez été nombreuses à me demander des marque-pages. Donc j'en ai fait, je crois, deux ou trois. Deux, je crois. Et j'espère qu'ils vont vous plaire. Je ferai des photos pour faire les fiches produits. Et en fin de semaine, vendredi, je vous enverrai une newsletter. Donc pour celles qui ne savent pas encore, la newsletter c'est sur le e-shop. Vous allez voir, si vous descendez en bas de la page, il y a écrit s'inscrire à la newsletter dans à peu près toutes les pages. Vous mettez juste le mail et voilà. Et donc je vais sortir la newsletter vendredi avec ben, les nouveautés. Il va y avoir aussi des nouvelles affiches. Et donc, dont une, vous m'avez beaucoup demandé, l'anatomie d'une crocheteuse sans la faute d'orthographe. Normalement, je vais la recevoir aujourd'hui. Dans le blog, je vais vous montrer les affiches. Et puis, donc, je ne sais pas si aujourd'hui, parce que comme il fait beau, là, il y a pas mal de lumière. J'ai envie de faire les photos à la réception des colis. Et demain, j'attaque le poncho avec le point ajouré. Moi, je pense qu'il va être magnifique. J'ai hâte. En plus, bah, j'ai pris cette laine qui est un peu lourde quand même, j'ai remarqué. Parce que j'ai fait un pull il n'y a pas longtemps avec des granny. J'ai utilisé cette laine et il est quand même lourd. Donc, je me suis dit, j'ai envie de l'utiliser encore parce qu'elle est toute douce, elle est vraiment super agréable. Elle est vraiment super. Mais en poncho avec un point ajouré, mais pas trop ajouré, parce que sinon ça va trop se déformer. Faudra faire attention. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer dans le tuto, mais je vous le dis quand même au cas où. Faire très attention lorsqu'on fait des ouvrages comme ça, avec ce genre de fil et tout, que ça se détende, enfin les faire un peu plus petits, parce que quand ça va se détendre, ça va se déformer, puis ça va pas être très joli. Donc, vraiment le faire près du corps. Et voilà, je vous filmerai tout ça et puis je vais vous montrer les petites images de la balade à Paris et je vous dis à plus tard. Thank you.
coup, nous sommes mardi. J'ai bien avancé le poncho pour vendredi. Il va être très mignon, vous allez voir. Et donc, j'ai filmé ce matin. J'ai reçu des nouvelles affiches. Donc, je vais faire les photos pour les fiches produits. Je vais vous mettre une vidéo en accéléré. Et cet après-midi, je vais continuer le poncho. Je pense que je l'aurai fini demain. Et jeudi, je vais faire les photos, le montage, la vignette. Et puis voilà. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Donc voici les derniers que j'ai reçus aujourd'hui. Donc les marque-pages qui sont imprimés recto verso. J'en ai, pour l'instant, j'en ai fait deux. Cette affiche, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez dû voir le dessin dans le premier vlog. Et c'est une de mes préférées. Celle-ci aussi, qui nous amène là vers le printemps, avec mon petit chat. Ça s'est inspiré vraiment de mon salon. Ah, il y a celle-ci aussi que vous avez dû voir dans le premier bloc. Et voilà. Donc je vais faire une newsletter vendredi qui sortira en même temps que le tuto et pour annoncer donc les nouveautés. Et en attendant, il faut que je fasse les fiches produits et que je les mette en ligne et tout ça, tout ça. Que j'ai reçu donc l'anatomie d'une crocheteuse dont je vous parlais tout à l'heure sans la faute d'orthographe. Et voilà, là j'ai fait ma petite mise en scène pour faire les photos produits où voilà, je prends quelques plantes, je prends une table que j'avais faite avec des trucs de chez Action, enfin des planches en bois de chez Action. Et des petites plantes. Alors celle-ci, je me souviens plus comment elle s'appelle. Celle-là, c'est une chaîne de cœur. Une chaîne de cœur variegata. Vous voyez, elle est un peu blanche là, sur les bords.
J'aime beaucoup celle-ci. Et celle-ci qui est là, c'est une... Ah, je me souviens plus. En tout cas, je l'adore. C'est des tombantes. Tombantes ou grimpantes, ça dépend si vous mettez des tuteurs, elle peut grimper. Donc voilà. Bonjour, nous sommes mercredi matin et j'ai fini mon bonjour. Je l'adore. C'est l'ouvrage idéal pour passer de l'hiver au printemps, là. Parce qu'il fait chaud les après-midi, il fait froid quand même le matin. Enfin, il est tout doux comme ça, on n'a pas envie de l'enlever. C'est super facile, on met ça par-dessus n'importe quoi et on se met à crocheter, à faire, à travailler, à faire ce qu'on a à faire, quoi. Et alors, il est vraiment très facile à faire. Je le conseille même pour les débutantes. C'est juste deux rectangles très basiques avec un point ajouré. Et vraiment, ce qui change, c'est vraiment le fil. Au niveau de la boutique, comme je vous ai montré, j'ai reçu les derniers articles. Je vais faire des fiches produits sur la boutique et je vais lancer une newsletter vendredi pour la sortie des produits. Je pense que je vous l'ai dit avant dans le vlog, mais le mug est lancé. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. J'ai créé avec le mug, une carte de remerciement, donc bien sûr qui va avec le mug. Je vais créer une étiquette également pour coller sur la boîte. Et il faut que je me plonge sur les boîtes, enfin en fait les colis, les boîtes vides en fait pour mettre les choses dedans. Mais bon, on n'y est pas encore. J'attends d'abord de recevoir le mug. Et là, je ferai un lancement pareil. Alors, c'est un mug plutôt printanier. Et puis, bah là, cet après-midi, je vais faire le montage du poncho. Je suis contente parce que j'ai pris un peu d'avance. C'est très rapide, hein, vraiment très rapide à faire. Donc, je vais faire ça. Et puis voilà, la vignette aussi. Ah oui. Ça y est, on est arrivé aux 100 000 abonnés. On a plus de 100 000 abonnés. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un jeu, pardon, où il y a une gagnante qui va recevoir, il me semble que j'avais dit 5 kilos de laine, quelque chose comme ça. Donc je vais retourner sur cette vidéo. Et je vais tirer au sort une gagnante. Donc je vais attendre que ce vlog sorte. Une fois que ce vlog sortira, dimanche, si vous le regardez, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous laisserai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder. Il y aura le nom de la gagnante du jeu des 100 000 abonnés. Et je vous remercie énormément. C'est trop cool. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder. Dans la barre d'infos, je mettrai le lien du jeu concours et vous verrez, il y aura peut-être votre nom, vous serez peut-être la gagnante, je sais pas. Voilà. Ben, je vais retourner au travail et on se voit plus tard. Thank you.
sommes jeudi matin. Aujourd'hui, je vais publier les photos du poncho ainsi qu'une petite, un petit reel sur Instagram. Je mettrai le même reel sur YouTube en forme de short. Vous savez, c'est des petites vidéos de 30 secondes pour présenter le poncho. Et je suis un peu essoufflée. Est-ce que je suis malade? J'ai attrapé froid, je sais pas. Je vous dis ça, j'ai les cheveux mouillés. Ouais, je suis un petit peu malade. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis mon plaid à laver. C'est pas très intéressant, mais pour vous donner un petit conseil pour laver vos ouvrages, moi je les lave à la machine, à froid. Voilà, j'ai un mode laine. Et j'ai un mode synthétique et j'ai un mode lavage à froid. Donc les choses que je, enfin les choses comme les acryliques et tout ça, je les lave à la machine. Par contre, tout ce qui est laine ou ce genre de choses, je les mets pas à la machine, je les lave à la main. Voilà, avec des produits pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu, je sais pas si vous me voyez net, parce qu'en fait je tiens la caméra là, c'est un peu... j'ai reçu une vidéo du mug qui est en fabrication. Donc je vous mets la petite vidéo ici. Je suis ravie du résultat. C'est encore mieux que sur l'image. Je vais vous mettre l'image là, parce qu'en fait, avant de commander, etc., on se met d'accord sur, bien sûr, le design, la forme de la... du mug, on envoie des fichiers et puis on a on dialogue bien sûr avec le fournisseur et on a une première image, mais c'est une photo comme une mise en situation. Et du coup, entre l'image et la vidéo, je suis super contente, je suis ravie, mais j'ai trop hâte de la voir. Il manque juste le logo en dessous, parce qu'il va y avoir le logo en dessous du mug. Et puis voilà, j'espère qu'il vous plaît. J'ai fait attention à tout ce que vous m'avez dit, à tous les commentaires que, en fait, je vous avais demandé quelles illustrations vous verrez bien sur le mug. Et en fait, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, j'ai créé une illustration pour le mug. Et comme je vous disais, c'est un mug printanier. Donc voilà, ça sera le mug printemps-été, puis ensuite j'en ferai sûrement un autre, automne-hiver, et peut-être un pour Noël, si ça vous plaît. Alors, il est en émail, donc ce sera beaucoup plus léger pour l'envoi, beaucoup moins fragile, et dites-vous que je pensais que ce serait moins onéreux à, comment dire, à fabriquer. Et en fait, non. Les mugs en émail sont plus onéreux que les mugs en céramique basique, quoi. C'est incroyable. Alors, moi, je voulais vraiment un modèle bien spécifique. Voilà, je suis super contente, j'ai hâte de le recevoir, j'ai hâte de vous le montrer, aussi tout ce qui va aller avec. Donc il va y avoir, enfin tout ce qui va aller avec. En fait, avec le mug, je vais offrir une carte de remerciement spécifique qui va avec le mug. Et ensuite, peut-être un sticker aussi. Et à côté, il va y avoir des produits qui vont être dérivés du mug. Donc, des affiches, marque-pages. Et pour l'instant, c'est tout. Peut-être un bloc-notes. Je ne suis pas sûre encore du bloc-notes. Mais peut-être. Je verrai bien un bloc-notes avec qui aille avec le mug. Bon, c'est des idées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une carte de remerciement avec le mug. Et des produits dérivés des dessins du mug. Et puis c'est tout pour l'instant. Je suis ravie du mug. Je suis super contente. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. J'ai hâte de le recevoir. Alors je ne vais pas le recevoir tout de suite. Mais bon, déjà avec la petite vidéo, là, j'arrête pas de la regarder.
Je suis comme une enfant. Et voilà. Pour vendredi prochain, bah, je vous dirai tout ça lundi prochain. Les tutos qui vont arriver. Et on se retrouve plus tard. Coucou, nous sommes vendredi et j'ai toujours la crève. Je voulais vous parler de la livraison dans la boutique. Alors, vous avez deux options, soit Colissimo, soit Mondial Relais, parce que, en fait, j'ai reçu un message d'une cliente qui n'a toujours pas reçu son colis Mondial Relais. Il faut savoir que Mondial Relais, ça met beaucoup plus de temps que Colissimo. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix, forcément. Et il faut pas trop s'inquiéter, il faut patienter et il faut regarder les mails. Si vous ne recevez pas vos mails dans votre boîte mail, regardez dans les spams. Il y a un numéro de suivi. Et avec ce numéro de suivi, vous allez directement savoir où est votre colis et quand est-ce que. Et vous allez être de toute façon informé lorsque votre colis arrivera dans votre point relais. C'est pour ça qu'il est important de laisser un numéro de téléphone. Comme ça, vous avez la notification sur le téléphone, par mail, que vous pouvez aller chercher votre colis dans votre point relais. Voilà. Sinon, j'ai reçu des stickers que j'avais envie d'essayer. Je voulais essayer d'imprimer des stickers, mais avec une forme de découpe personnalisée. Donc, je vais vous montrer ça. C'est les stickers que je vais offrir avec les grands colis. Ça me fait déjà deux stickers. Je suis contente. Je vais en faire, comme je vous disais, je vais en faire un troisième pour le mug. Et voilà, je vais vous montrer les petits stickers et on va clore le vlog aujourd'hui puisqu'on est vendredi. Le week-end, je vais pouvoir en profiter. Et ce soir, j'emmène ma fille à la gare car elle part à Rennes passer une semaine avec sa meilleure amie. Et donc elle est toute contente, toute excitée. Hier soir, on a fini la valise. Et là, tout à l'heure, je vais devoir aller sur Paris pour voilà, la mettre dans le TGV, en route pour Rennes. Et elle est super excitée. Et moi aussi, je suis contente qu'elle aille voir sa meilleure amie, qu'elle passe une petite semaine là-bas. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau tuto. Et à dimanche pour un nouveau vlog. Eh bien, je profite pour vous montrer ce que c'est qu'une imprimante thermique. Alors, une imprimante thermique, c'est ça. C'est. Vous voyez, c'est tout petit. Et donc, avec le papier étiquette, ça donne ça. Alors, hop, je cache l'adresse. Ça donne ça. Donc, une étiquette autocollante, prête à l'emploi. C'est quand même plus joli que le scotch marron. Et voici mes petits stickers. Ouh là là. Ah là là, j'avais peur que l'on voie les traits de coupe. Parce que lorsque vous créez un sticker comme ça, eh bien, il faut placer sur le fichier, sur le dessin, un trait de coupe, donc un trait qui va aller autour du personnage que vous avez envie de. Enfin de l'objet que vous avez envie de détourer, que ce soit découpé. Et bon, c'est la première fois hein, que je fais ça. Donc j'avais peur que sur le stickers, eh ben, on voit en fait mon trait de coupe. C'est un trait noir. Hein. C'est un trait noir qui vient autour de l'illustration. Donc j'avais peur que l'on voit. Mais non, je suis ravie, je suis ravie, ravie, ravie. Donc ces petits stickers, c'est ben, je vais les offrir dans les grandes commandes. J'ai celui-là aussi hein, que j'offre avec les commandes. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait. J'aime bien, je pense que je vais en faire plusieurs, peut-être même plusieurs stickers que je vais mettre en vente ou une feuille de stickers, je sais pas, je vais voir ça. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Si vous aimeriez, si ça vous plairait d'acheter quelques stickers comme ça,
avec des illustrations. Oh, je suis ravie. Il est assez grand, hein. Il fait 10 cm sur 6 ici de large. Et voilà les amis, bah, je vous laisse, je vous fais un bisou bisou et à très bientôt.